Comment t'es venu? Donc du coup, t'as vu des vidéos YouTube sur le dropshipping. Ouais. Pourquoi t'as choisi le dropshipping? Pourquoi t'as pas fait business en ligne? Pourquoi t'as pas fait bourse, trading, etc. Pour la facilité de commencer seul, déjà, Ok. la facilité de le faire de chez soi, Ok. pour l'investissement qu'il y avait de départ, parce que c'est important, il faut savoir qu'aujourd'hui, si tu commences, ça dépend des vecteurs de trafic, mais si tu commences sur Instagram avec quelques centaines d'euros sans formation, tu peux directement exploser. Ah C'est ce ouais. qui m'est arrivé, ouais, voilà. D'accord. Et sinon, il y a. Ouais, c'est ça en fait. C'est surtout après l'argent aussi. L'argent que pouvaient proposer les autres formateurs ou les autres, justement, personnes assez connues sur YouTube ou assez connues sur Instagram qui faisaient justement ce métier et qui n'avaient pas les chiffres d'aujourd'hui. C'est-à-dire que déjà, des chiffres comme des 20 à 30 000 euros par mois m'impressionnaient. Alors qu'aujourd'hui, en étant dans ce milieu, en côtoyant les gens des masterminds que je fais, ça reste du banal en fait. C'est énorme, tu vois, mais ça reste des gens lambda et on en croise tous les jours. Ok, donc du coup, alors dis-moi un petit peu comment tu as commencé. Tu as vu que c'était ok, le dropshipping, c'est ce que je veux faire, super intéressant. Ok, maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Alors, j'ai fait toute une année de dropshipping, donc elle est passée par vraiment pas mal de choses. J'ai commencé en France, j'ai fait du dropshipping en France, ça a fonctionné dès le départ. Ouais, mais qu'est-ce que tu as fait? Action, parce que les gens veulent savoir Action! qu'est-ce que tu as fait Enfin, je suis concrètement. arrivé, j'ai créé mon shop, mon premier shop. Au bout de 2 mois et demi, j'avais généré 65 000 euros grâce à ce premier shop. Donc ça, c'est Waouh. la première action. Mais tu t'es formé, t'as quelque Bien sûr, chose? ouais, je me suis formé. Ok. J'ai suivi au tout départ la formation gratuite d'une personne que vous connaissez sûrement si vous êtes intéressé par le dropshipping. Il s'appelle Yomi. Du coup, j'ai suivi sa formation gratuite et suivi de ça, j'ai généré mes 65 000 euros et j'ai accédé à son mastermind. Ok, d'accord. Voilà. Ok, donc tu t'es formé et après tu as Exactement. Après, généré. j'ai accédé à son mastermind et j'ai accédé à sa vraie formation, entre guillemets, la formation payante. Ok, d'accord. Du coup, c'est un contenu vraiment, vraiment complet et qui te fait gagner énormément de temps. Ok, d'accord. Donc Voilà. du coup, après ça, tu as mis en application la formation alors. Exactement. J'ai mon application, la formation, toujours à ma sauce, toujours un peu de feeling. Avec Ouais. l'expérience que j'ai acquise, j'ai testé avec deux influenceurs, du mainstream, pas du mainstream. Voilà, j'ai changé les produits, j'ai réessayé. En fait, c'est du testing. Faut tester, faut essayer. Ok, d'accord. Aujourd'hui, tester, c'est apprendre. On teste. Si on perd, c'est pas de la perte en fait. C'est juste apprendre pour savoir que ça ne fonctionne pas. C'est la connaissance. D'accord, ok. Voilà. Donc du coup, tu as fait tes 65 000 euros en 2 mois. C'est ça. Voilà. Et donc tu as continué. Aujourd'hui, tu génères combien alors Alors aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai ouvert une agence de marketing digital. Donc, j'ai une agence de marketing digital. J'ai choisi ça justement pour passer pour un business physique que je peux déléguer, tout simplement, parce que le dropshipping, on aura toujours besoin de moi. Même si je peux déléguer les tâches répétitives, on aura toujours besoin de moi pour le dropshipping. C'est toujours moi qui fera les derniers choix. Et du coup, en fait, j'ai décidé de switcher un peu comme un collègue à moi, entre guillemets, avec qui j'ai grandi, évolué au sein des masterminds, Mason, que tu connais. D'accord, ok, ouais. Et du coup, j'ai switché vers l'agence de marketing digital pour toucher les professionnels en fait et leur offrir les biens et services et les connaissances que j'ai du dropshipping. C'est-à-dire qu'il y a énormément de professionnels qui aujourd'hui en fait ont un business physique qui vous entoure, qui entoure tout le monde et qui n'utilisent même pas les réseaux sociaux pour promouvoir, pour obtenir de la visibilité, pour augmenter leur chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, j'ai l'agence de marketing, je continue le dropshipping parce que D'accord. c'est quand même un apport de cash flow énorme. Ok. Faut pas se le cacher, mais c'est pas quelque chose avec quoi je me vois faire 10 millions. Ok, d'accord. Voilà. Aujourd'hui, une start-up, ça peut se revendre très cher. On a des exemples magnifiques. Ouais. Et du coup, en fait, l'aspect de délégation, surtout, et de gérance, en fait, pour avoir la bonne vision juste de mon entreprise, c'est ça que je souhaite faire aujourd'hui. Ok, Donc, je d'accord. me suis arrêté, entre guillemets, j'ai réfléchi à une ouverture d'agence de marketing digital quand je suis arrivé à mes 500 premiers, 500K, 500 000 euros générés de chiffre d'affaires dans le dropshipping. Bah déjà c'est énorme, félicitations mec, Déjà, merci. ça fait plaisir. En 1 an, un peu moins d'un an. En 1 an. Un peu moins d'un an. Ok. Et donc du coup grâce aux compétences, Que j'ai acquises dans le dropshipping. t'as pu t'orienter Voilà, sur autre voilà. chose en J'adapte France. en fait sur une agence, sur des beaucoup plus gros clients. Sur, Ouais. voilà, Et puis c'est. sur une autre vision, parce que t'as. Exactement, Voilà. c'est pas la même échelle, c'est une C'est autre ça. vision. C'est pour ça, voilà, les gars, je vous dis toujours, formez-vous, même si vous savez pas, il y en a, ils C'est hésitent, très ouais, important. là, ils veulent prendre que du gratuit, etc. Voilà, il s'est formé. Après sa vision, elle change. Il a envie de faire autre chose, il change et il fait ce qu'il veut parce qu'il a une expertise. C'est un gain de temps énorme.
C'est ce qu'il faut savoir. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, grâce à Internet, vous pouvez tout avoir gratuitement, si vous le souhaitez. Mais vous allez perdre énormément de temps. Vous allez peut-être mettre 6 mois à avoir toutes les informations que vous auriez eues en 2 semaines. En fait, sur une formation, vous allez payer peut-être 1 000 euros. Ouais. Tu vois. Ouais, c'est clair. Donc, c'est un gain de temps. Si vous n'êtes pas pressé, c'est votre choix. Il n'y a pas de souci. Pour ce moment, c'est gratuit. Je sais que, bon, faut se lever millionnaire.